Il y avait lors de cette réunion cet après-midi nombre d'entreprises représentées par leurs dirigeants de premier rang, ce qui montre la volonté des dirigeants français et bien de s'impliquer sur le terrain iranien, qui est un grand marché, 80 millions de personnes, avec un vrai tissu économique, des parts de marché à reconquérir et une relation qui, au-delà de la parenthèse durant les sanctions, est une relation économique historique. Maintenant, nous avons un cadre, des décisions ont été prises, les entreprises se mobilisent et le président Rouhani a pu formaliser ici le souhait de voir ces relations se développer dans plusieurs cadres stratégiques, qu'il s'agisse des infrastructures, de l'aéronautique et de l'ensemble de ce qui pouvait être apporté par le champion français. Demain, plusieurs accords seront signés, dont un accord important cadre justement entre nos deux pays sur les relations économiques, industrielles et en matière de communication. Vous avez, s'il vous plaît, un petit...